Eh bien, yo tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va super. Avant toute chose les amis, avant que la vidéo commence, je vous invite à vous abonner à cette fucking chaîne YouTube. Ça, on est bientôt rendu aux 1000 abonnés, je compte sur vous pour qu'on les atteigne assez rapidement. Ça fera extrêmement plaisir et en plus, n'oubliez pas par la même occasion, ça me permet de switch sur le giveaway qui est en cours sur la chaîne YouTube. Donc je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Donc je fais gagner une valeur de 50 à 100 euros sur... c'est pas défini, hein, donc c'est pour ça que je dis 50 à 100 euros, parce que ça peut très bien être 50. Comme 55, 60, 70, 80, 100 euros. Voilà, ça dépendra vraiment de mon portefeuille à ce moment-là, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, je vous invite à aller suivre cette vidéo pour que vous puissiez vous aussi participer à ce giveaway. N'oubliez surtout pas, les amis, dans la description, il y a, tant que j'y suis, pour le giveaway, faut pas oublier de rejoindre le Discord communautaire. Très important, je parle à tous ceux qui verront cette vidéo. Je vais mettre un post sur mon Discord, je vais mettre un post sur YouTube. Mais il faut rejoindre le Discord communautaire si vous voulez être éligible à ce giveaway. Pour la même occasion, les amis, dans la description, il y a mon lien pour ma chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas à aller voir, à aller vous follow et peut-être pourquoi pas nous voir un de ces quatre en live. Pareil pour les lives YouTube. Normalement, ça devrait reprendre d'ici peu. Hein. Normalement, le 11 soir, on sera en live. Donc n'hésitez pas à passer faire un petit coucou sur YouTube. On sera heureux de vous accueillir. Dans la description aussi, il y a mon code de parrainage, donc tous les nouveaux joueurs. Vous créez un compte sur le compte RSI, n'hésitez pas à mettre mon code de parrainage, ça fera extrêmement plaisir. Et ça vous fera gagner 5000 AVC en plus de ce que vous aurez dans chaque mise à jour. Et du coup, si vous cherchez une corporation, si vous êtes seul ou en groupe, que vous soyez nouveau ou vétéran du jeu, n'hésitez pas à rejoindre la DG Team, à le recrute, du moment que vous êtes des personnes sérieuses et fiables, on va dire, pour la corporation. Vous êtes les bienvenus. Donc les amis, on se retrouve pour une petite vidéo. Comme vous avez pu le voir depuis tout à l'heure qu'on discute, j'ai une petite armure assez sympatoche. Donc cette armure, c'est une armure de mineur pour la température, si je ne m'abuse, pour que la température ne vous tue pas quand vous allez sur des planètes chaudes. Donc pourquoi j'ai pris cette combinaison et comment déjà attirer à quoi, comment faire. Donc c'est une vidéo sur le minage sur Averden et Ariel. Pourquoi? Parce que c'est des planètes où on trouve assez, voire beaucoup d'adanites, raffinerie, où on trouve beaucoup d'adanites, d'accord? Donc c'est quelque chose quand même qui vaut quand même un pot du cul, hein. On n'est pas loin des 300 000 AUEC par 1000 pierres, et les 1000 pierres en soi c'est assez simple à faire, hein. C'est quoi, 3 ou 4 gisements, grand max? Et vous avez mis les 1000 pierres, il me semble. Après, j'ai pas envie de vous mentir, vous dire exactement les chiffres. Parce que ça serait vous mentir, tout simplement, c'est complètement idiot. Mais voilà, c'est quelque chose qui rapporte beaucoup, pas mal, on va dire. Pas beaucoup, parce que c'est pas ce qu'il y a le plus dans le verse. Mais on va dire, en plus, c'est un petit truc assez, assez chill à faire. Donc, c'est pour ça que je peux vous le présenter une nouvelle fois, parce qu'on a déjà fait du rock. Mais je préfère vous présenter... le ménage sur Abaddon Ariel parce que c'est beaucoup plus rentable, pardon. Donc, torse. Non, c'est pas torse. C'est quoi déjà en combinaison? Donc, c'est celle-ci. Donc, vous voyez, elle coûte déjà 14 000 USC, mais en gros, elle va de moins 75 degrés à 275 à 225, donc c'est une petite combi assez assez propre pour le minage sur Aberdeen et Ariel parce que c'est très important d'avoir ça, autrement vous allez canner tout simplement de chaleur. Le casque, pas faire de combo par contre, celui-là c'est celui-ci, hein, c'est en fait tout simplement le casque qui suit avec l'armure, donc c'est un casque pour la température et la chaleur. Moi ce que je vous conseille c'est de vous prendre un gros tool plus le sac à dos, hein, le sac à dos c'est pareil, c'est ici, avec multi-tool, plus de guérison, bien entendu de l'eau, ce que vous allez prendre un petit moment. Et du coup, bah, je vais vous faire voir où on peut sortir dans les villes, dans la ville, un rock tout simplement, pour votre plus grand bonheur.
Donc, les amis, on se retrouve à leur ville pour sortir nos vaisseaux. Puis, bien entendu, il fait nuit, donc ça va être très chaud de retrouver les gates. Non, normalement, c'est par là, les gates. Donc, en fait, vous avez des gates, donc des portes, à l'extérieur de l'orbite du spaceport. Hein. Simplement, je vais vous laisser la séquence en entière parce que je trouve que c'est assez important que vous voyez. Non, mais il fait. Enfin, je veux bien croire, hein, mais. On y voit vraiment. Ah ouais. Donc. C'est pas ici. Par contre, vous pouvez les espèces de métro. Mais comme je vous dis, de toute façon, je vais vous laisser mes. Ah, mais j'ai pas de train d'atterrissage pour aller si peu vite là. Ah, hop là. Allez, mais prends pas la tête, toi. Donc. Les gates. Je vais prendre un peu d'altitude. Les gates. Il me semblait que c'était pas loin de là. De toute façon, je suis parti complètement à l'opposé les demi. Et ça sera beau à voir. Non mais reste là-bas. Oh, je suis teubé. Normalement, c'est là. Petit truc rouge là-bas qu'on voit là, normalement. Je dis normalement parce que bon. Si c'est pas le cas, au pire des cas, je ferai une petite ellipse. Vraiment une petite ellipse pour essayer de chercher au moins la zone. Que vous puissiez avoir un repère. Mais normalement, c'est là. Non, c'est pas là, je me suis trompé. Donc, les amis, donc voilà, on arrive au gate. Donc, du coup, c'était. On était là-bas, non, on était vraiment juste à gauche, là. Donc, on était à l'entrée de là-bas. Comme vous pouvez le voir, là. Et en vrai, elle était juste ici. Donc, je vais aller à l'intérieur. Donc, elles sont atteignables depuis l'intérieur aussi, hein. Je tiens à le préciser, comme ça, au moins. Vous le savez. Hop. What? Je suis aspiré. Super. Bon, c'est pas très grave. Au moins, on est arrivé. C'est dans le but et c'est ce que je voulais vous montrer d'une façon ou d'une autre. Donc, là, vous avez des garages à gauche. Bah, ici, là. Et des garages de l'autre côté. D'accord? Donc. Comme je vous l'ai dit, de toute façon, au pire des cas, vous voyez, au-dessus, il y a marqué Gate. Là, on a la numéro 3, donc ça veut dire que c'est même pas à celle que je voulais aller, mais c'est pas très grave. Donc là, vous rentrez à l'intérieur, donc c'est un truc banal. Et en fait, tout simplement, à droite, vous allez avoir vos panneaux pour tout simplement réclamer vos vaisseaux ou les sortir. Bon, là, comme par hasard, le panneau n'a pas envie. Allez, s'il te plaît. Non, il n'a pas envie, donc le serveur est bugué, mais en même temps, par la même occasion, vous verrez qu'ici, il y a les lignes de métro. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez les gates, d'accord? Donc là, c'est le Metro Center, d'accord? Vous prenez la ligne rouge, tout simplement.
et cette ligne rouge, vous pouvez prendre les trois gates qui sont disponibles sur la ligne rouge, et après vous avez la ligne orange, pardon, vous pouvez prendre 4, 5, 6 les gates, quoi. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vous êtes au spaceport. Donc vous prenez la ligne bleue, donc c'est la ligne pour revenir aux résidences. Et après, à partir de ce moment-là, vous choisissez là où vous allez dans n'importe quel gate. C'est pas là le métro, mais moi j'aurais aimé vous montrer comment sortir, enfin que ça sorte. Parce que là, je passe par un con. C'est pas très intelligent. Mais bon, si n'a pas envie, écoutez les amis, c'est pas très grave. Du coup, je vais vous laisser avec le gameplay que j'ai tourné où je minais du rock, avec le rock, pardon. Donc vous allez voir qu'on a eu pas mal de... J'ai eu pas mal de d'alanite. Même, normalement, je le montre. L'inventaire du vaisseau avec lequel je fais, donc je fais avec le C1, qui est achetable à Horizon. Il vaut 3 millions à peu près. Donc... moi, je vous le conseille fortement pour faire du minage en rock. Et vous venez à leur ville, récupérez vos rocks ici, et allez à la station que je vous ai montré tout à l'heure. Et si, au pire des cas, je vous l'ai pas montré. La station où moi, j'achète en tout cas. Donc, pour acheter l'armure, bien entendu, hein, je le dis maintenant, mais pour moi, ça me paraît logique. C'est dans une raffinerie. Et du coup, moi, la station que je vais, c'est Hurle 2. Voilà. Donc, de toute façon, que ce soit Hurle 2 ou Hurle 1, je pense que ça reste pareil. En termes, il y a des raffineries dedans. Donc, voilà, les amis. Donc, j'espère que vous kifferez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, lâcher petit like. Et bon gameplay pour le reste qui reste à regarder. Voilà, bonne vidéo à vous, les amis. Ouais, faut pas être un génie pour savoir que... Tu vas totalement même traverser la planète, quoi, je pense, hein. Si vraiment t'arrives, tu sais, à sauter au moment où il tombe à travers, gros... Apparemment, maintenant, on peut prendre les caisses à deux. Voilà. Je fais ça pour prendre avec des pincettes, parce que la dernière fois, ils l'ont dit aussi. Et, regarde maintenant. Lui, il faut faire gaffe à tout ce qu'il raconte. Ouais, là, mais il y aurait le pistolet mineur du rock ou pas? Si t'achètes le rock DS, tu mets celui du rock DS. Mais Putain, je l'avais, j'aurais dû le mettre. Je crois que pour le rock normal, c'est 1.0, on va dire, de ratio. Et pour le rock DS, c'est 1.4. Quoi. Ouais, c'est pas ouf. Quoi. Le up est vraiment mime, quoi.
Et voilà les amis, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, on lâche un petit like, et si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les proposer dans les commentaires. Tchuss tout le monde.